nouvel entrepôt. Le nouvel entrepôt pour préparer les envois, les commandes. Alors c'est un double garage. Hop, je vous le montre de l'extérieur. Voici, vous avez encore des cartons de déménagement. Il y en a encore sur la droite. À cet endroit-là, je vais mettre justement l'emplacement pour préparer les commandes, donc la table de préparation. Je pense que cette étagère, je la tournerai peut-être dans l'autre sens. Et vous voyez, j'ai commencé à tout empiler. Donc, on a les Merry Christmas qui sont là. On a les tarots renards qui sont ici. Ensuite, j'ai les Lily Black. Et tout à la fin, hop, je passe devant, j'ai les mini Lily Black. Là, j'ai mis une petite étagère. Alors, je ne sais pas si je vais les laisser là hein, pour l'instant, avec les pochons. Ici, qu'est-ce qu'on a? Les envolées sauvages. Donc là, il y a les envolées sauvages. Il ne me reste vraiment pas beaucoup. Vous avez beaucoup, beaucoup aimé ce jeu. C'est vrai qu'il est, il est très beau, très doux. Ici, on a les tote bags, les sweet ladies, les journaux de tirage. Voilà, les mini Lily White ici et ici, les journaux de tirage qui me restent. Et là, j'ai mis les quelques tasses qui me restent aussi. C'est pareil, j'en ai plus beaucoup, beaucoup. Là, je vous montre dans un coin où vous avez un stock de papier bulle. Bon, c'est encore le bazar, cette partie-là. C'est pas une partie qui est pour l'atelier. Et du coup, pour l'instant, on y a stocké quelques trucs dont on ne savait pas trop quoi faire encore. Donc voilà, et là vous voyez, vous avez encore un grand espace et ce matin je vais être livrée des Boutaro et des puzzles et des Emma Poetica. Alors c'est ça va être un peu fou au niveau de la livraison parce que c'est 8 palettes et en réalité je ne suis pas du tout sûre que les 8 palettes rentrent ici. Mais après les palettes sont moins hautes, ils stockent les jeux moins hauts, donc moi je vais pouvoir faire des piles un petit peu plus hautes. Donc on va voir un petit peu tout ça, ça va être la surprise. Cette livraison, elle tombe 2 jours avant le gros déménagement, le déménagement de nos gros meubles. Donc il a fallu un petit peu tout faire et cet après-midi, on va ramener des cartons avec ma maman à Toulouse, dans mon ancienne maison, pour préparer là-bas vos envois parce qu'on reste, enfin je reste encore une dizaine de jours avant d'emménager ici, donc il faut qu'on stocke ici, qu'on prenne suffisamment pour emmener là-bas, pour commencer à préparer, ça va être sportif. Et là, on a les puzzles qui viennent d'être livrés. Et ça prend une place de dingue. Et je suis en train de me dire, mais quelle idée d'avoir fait des puzzles. Surtout d'en avoir fait autant. D'avoir fait autant de modèles. C'était peut-être pas la meilleure idée du monde, la plus intelligente. Je me suis dit, bah, après on a la place, mais ça laisse pas de place pour autre chose. Donc voilà, une rangée de puzzles. C'est pas ce que t'as mis dans la voiture déjà? Si. Là, on a des Boutaro, il va falloir en emmener 10. Les puzzles, on va les laisser là, on les fera la semaine d'après. Ah, il y a tellement de Noël. Je vais prendre. Et ça y est, tout est rentré. Il va falloir réorganiser tout ça, il va falloir réorganiser les palettes, mais tout est là. Les bouts, les Emma, les puzzles. Allez, maintenant, on va empaqueter tout ça. À tout de suite.
la vidéo, ça. T'as vu comment on fait ça bien, enfin, comment on les enfile bien.